peux les dresser. Derrière, c'est super intelligent quand même. Bientôt. Ah, il y a un truc qui va débarquer. Tu perds mon livre. Je peux? Tu perds ton livre? Oui. Je te conseille pas. Non. Tu passes devant la nuit. Elle l'a pas fini en fait de me connaître. Moi j'abandonne mon livre. Tu as été courageux et brave. Merci. Et ta chère. Et lui il reste derrière comment? Non. Oh merde, tu... Avec one shot. Il réussit pas à passer. Il a la phobie des rats. Ça passe. Ah d'accord. Bah tu pourras dire à Michael de pas revenir demain. ton personnage est mort en fait. Oh, c'est pas mal. Donc reste chez toi tranquillement. N'oublie pas, tu es doué, tu as un contact avec la phobie. Ouais, je kiffe là, je kiffe. Ouais, parce qu'à mon avis... Tu leur fais des petites gratouilles et tout, ils sont contents. Ouais, non, par contre, il... Ouais, c'est les rats quand même. Les rats, tu leur donnes ça, ils traînent tout ça. Par contre, on va peut-être pas la faire passer. Je dirais, tu vois, ça me tue. Je ne cautionne pas. Ils ont peut-être des connexions dans le chemin. Tu veux rester ici ou tu veux passer devant? Devant, je peux. Devant, je suis ouf! On dirait un bruit de vent. Ah, mais ça? Donc voilà, toi hier on est passé, on continue notre chemin tranquillou. On a fait formation pour protéger l'ours. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir. Comment ça non, fait, regarde, c'est... finalement c'est toi au milieu. Bien, au bout d'un moment, genre, tu vois le bout d'un tunnel avec la lumière. Ok. Je vois le bout, j'y suis, pardon. Vous arrivez devant un cul-de-sac. Ouais. Vous êtes fatigué, vous êtes devant le cul-de-sac et vous êtes fatigué. Ah, il y a un cul-de-sac ? Il y a un cul-de-sac. Mais genre, c'est fini, il n'y a pas de tunnel. Non, mais il y a un truc. C'est un mur, tu vois un mur. Détection, c'est un des... tunnel secret. Hein. Détection des pièges, des mécanismes. Non, c'est moi, détection des pièges. Moi aussi, je l'ai. Allez, quoi. D'un piège qui a un degré de difficulté de 20, tu ne peux plus les repérer. Voilà. Seul le roublard le peut. Quoi? Bah je fais, j'essaye aussi, bah fais-le si tu veux. Non mais vas-y, vas-y. Je te dis juste qu'il y a un moment et je t'aime même plus parce qu'en fait ça va servir à rien, tu vas juste déclencher des pièges. Ouais c'est ça, parce qu'en fait si jamais tu rates, tu déclenches. J'ai un personnage qui est mort comme ça en fait. Mais genre la semaine dernière. T'as beaucoup de personnages qui sont morts en fait, c'est pas grave. En fait, au-delà d'un piège de niveau 20, on va dire ça comme ça. Mais comment tu sais qu'ils sont niveau 20? Mais moi je le sais. Toi tu le sais pas, toi tu l'as juste raté automatiquement. Je lance le dé pour rien en fait. Donc t'auras besoin de chercher, mais c'est pas grave. Mais je veux plus être roublard, ouais, je change de compétence. Je démissionne. Me fais se casser. Il y a un mécanisme, il y a genre dans le mur, tu sers une sorte de petit pressoir. Qui va appuyer dessus? C'est toi qui as détecté. Attends, non mais c'est bon, moi je l'ai vu. Ah oui, genre la trappe. Bah c'est la sortie quoi. Détection de la magie. Ça fait deux jours là, ça fait deux jours. Quelqu'un détecte la magie? Bah t'inquiète. Sur moi. Ça n'a pas l'air magique. Ouais, c'est un vieux mécanisme de caca. Et c'est un gros truc. Moi je veux discerner, le cadran de la porte. C'est forcément une porte. Tu as appuyé dessus. Tu vois juste le bouton. Attendez, vous voulez pas qu'on se repose, que tout le monde récupère ses soins? On peut se reposer avant de continuer. Non, mais est-ce que tu veux... Vous avez marché toute la journée. Voilà, est-ce que par exemple tu veux récupérer cône de feu? Oui, c'est un peu sympa, tu vas récupérer. Parce qu'en chevêtement ça sert à rien. Mais non, si on sort, ça sert. Hein. Mais non, on sera toujours dans les tunnels en fait, là. Que ce soit une zone avec de la végétation. Est-ce que ça fait deux jours qu'on marche? Bah, à peu près. Ça va faire deux jours quand on va se réveiller. C'est moi qui est... Oui, je sais, je vais te faire le test. T'es pas sûr? Je suis pas sûr, mais. Il avait quoi? Selon moi, ça fait deux jours. Plus 9. Oui, ça fait deux jours. Mmh. Donc là, on va arriver aux chaussettes. C'est la sortie, quoi. Oui, mais justement, on se repose. En fait, pour toi, ça fait trois jours. Bah, justement. Ah. Mais raison de plus, juste avant de sortir. Justement, reposez-vous, regardez vos sorts. Ok, bah, si tu veux, mais. Si tu veux. Parce que si t'as des sorts, tu penses qu'ils seront plus utiles sur les rats et trucs comme ça. Mais de toute façon. On fait un campement, on fait des tours de garde. Hein?
Ceux-là. Ils sont derrière les oui. Ils préparent leur sort. Ah, c'est le matin qu'ils préparent leur sort. Alors, la on fait les tours de garde. Oui. Voilà. Je sais jamais. Je lui ai dit déjà. Pareil, formation. Pendant ton tour de garde, t'as genre 2-3 rats qui arrivent, qui te regardent. Maman. Oui. Mon petit. Que puis-je faire pour toi? Et puis ils repartent. Ok, ils m'ont à l'œil, c'est mignon. Ah, c'est ces connards, les observateurs de l'autre. Qui... Non, mais ils vont aller nous charder aux hommes rats dégueulasses, parce là, qui étaient cachés dans les tunnels, c'est tout. J'aime dire parce que du coup, on n'est pas sortis, on est coincés, ils vont nous tomber sur la gueule. Ah putain, ils se grattent le manteau en mode. Tu peux pas les buter? Genre. Tu peux pas faire genre. Petit, mais petit, non, mais petit. Non, mais non. Parce que c'est peut-être ceux qui lui ont fait. Bah oui, mais c'est pas, mais elle peut le communiquer, elle peut dire sur. Le truc, ceux qu'elle a calmé, donc ils sont peut-être revenus là pour voir si elle avait pas de la bouffe pour eux. Et tu peux pas les adopter. Oh non, non. Moi je pense que le principe de cette campagne c'est que c'est des rats. Ouais, ok, c'est des rats, mais les vrais hommes rats. Ils communiquent les hommes rats, ils communiquent avec les rats. Ok, mais les rats qui ont envie de buter, ils viennent directement. Non mais là c'est mais non, allez. Pas dans RP. Bon tant pis. On a déjà pas consommé nos rations. On peut sortir en fait. Tout de suite. Non, bah, et après donc on continue le tour de garde. Si se passe autre chose tire. Pendant son tour. Moi je me tire. Non je fais quoi avec les rats, je sais pas. Je sais pas. Rien, ils savent pas. Mais moi je les. Non pourquoi ils sont venus me regarder là. Il y en avait combien? Juste 2, 3 comme ça. 3. C'est précis 3. Les amadouer un peu et puis je les tue, mais genre sans les faire sauter. Donc, le temps de faire une dague, les deux seront partis. Maintenant, j'ai 3 bras. Elles sont l'ours. Ah, mais oui, l'ours, l'ours elle est en bouffe. Et la chouette. C'est pas du poisson, la chouette. Voilà, ça fait. Voilà, chacun, hein. La chouette, elle peut choper des rats, franchement. Est-ce qu'on aura. Non, mais. Bon, les 3 rats approchent de toi. Come at me, bro. Come at me, bro. Et ils sont là, juste, ils sont à 1 mètre de toi. Je sais pas, je te regarde, ils me regardent, on se regarde. Et donc ils ont mis du parfum. Bah, et donc, non, mais je sais pas, je peux pas aller. Je le sens pas trop, cette affaire. Est-ce qu'ils ont l'air, est-ce que je peux faire détection, machin, quelque chose, truc. Ils ont l'air gentils, genre comme ce. Relativement neutralisé, toi. Ça va rien. Sinon, laisse-les partir, on bute les. Je laisse partir, mais je peux pas réveiller quelqu'un pour dire là, il y a des rats, je le sens pas, moi je dis on sort. Mais on sort où? Mais on sort, c'est la sortie là. Bah t'appuies sur le bouton, truc, là. Vas-y, appuie. Elle l'a calmé direct. Non, moi j'appuie pas, moi je suis jamais devant moi. Tu déconnes là. Non mais. Tu veux sortir ou pas? Je veux sortir. Tu veux sortir ce soir? Passe devant. Non, ok. Je peux pas. Genre je prends un rat, je le lance sur le truc. Bah oui. Bien sûr. Viens, petit, viens, viens. Il y a des cailloux dans la grotte, il y a des cailloux. Tu peux en vrai, non? Il y a des cailloux dans la grotte, tu sors. Toi, tu tends le bras pour l'attraper? Il va s'échapper. Mais non, il y a des cailloux, c'est un souterrain. Sinon, si c'est un bouton, pressoir, je lance le Morgenstern dessus. Je peux la ramasser avec une balle. Le mec, il va démolir. Il va détruire le mécanisme. Ah, et on est bon. Non, tu vas détruire le mécanisme et après, on pourra plus jamais sortir là. On bousille la porte, on est bien. Non, ce qu'on va faire déjà, c'est parce que j'ai fait détection de piège et que j'ai trouvé qu'une porte. C'est un tunnel. Tu m'as pas dit qu'il y avait de piège. L'ouvrir. Donc j'appuie dessus, tant pis si je meurs. Attends, mais on est autour de garde là. Vous êtes en train de dormir. Non, mais c'est bien mieux de garde là. Je vais réveiller là parce que moi c'est. D'accord, t'as réveillé tout le monde, les rats sont barrés. Bah, juste. Oui, bah j'appuie sur le machin et on se casse. Si on se casse, vous avez pas préparé le sort là, vous avez dormi. Quoi? Faut préparer les sorts là. Bah, ça y est. Elle reprend les mêmes que. Si tu veux, comme ça prend genre une heure de préparer ses sorts, en gros vous vous réveillez, vous déjeunez et vous préparez vos sorts. Oui. Oui. Ouais, donc c'était de la merde les rats là. Bon, ok, c'est pas grave, vas-y. Bah, attention, oui. Ils sont partis. Oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Alors. Eh, c'est mes rats, ok. Eh, on va se calmer, les deux là. Donc, bah voilà, on fait ça. Eh ben, vous êtes. Vous êtes
devant le mur. Bah oui, oui, pour le coup, oui. Ouais, et j'appuie sur la machine. Bon bah c'est mort. Perception. Je l'ai porté dans perception de quoi ? Oh là là, c'est pas toi qui a perception. Je regarde si c'est une ouverture naturelle. Non, je regarde ce qu'il y a derrière la porte. Ça vous étonne qu'on mette 3 jours pour finir un truc Non, c'est qui lance ce sort lumière là ? Parce qu'on est toujours dans le noir, hein. Mais c'est elle a acheté son livre, mais n'importe qui peut le faire. Bah donc faut le faire. C'est pas totalement faux ça, parce que les lanceurs de sort, au moins ils dorment, mais ils sont dans plus de 10 minutes. Non mais parce qu'en plus tu veux, j'ai appuyé mais n'importe où là du coup. Alors, je peux avoir appuyé sur un caillou. Bah vas-y, je fais lumière là sur un... Elle a appuyé sur un des renifleurs de tout à l'heure. Ça fait peur. C'est genre bouit, bouit. Ah merde, pardon. En fait elle a appuyé... Non mais elle a appuyé sur un bouton du renifleur de tout à l'heure là. Elle y va à tâtons, elle se démerde là. Mais c'est une roublarde. Mais voilà. Oui. Attends, tu vas à ta place là. Hein. Bah écoute, je t'ai rien déjà dit, déjà. Donc, on jette un sort de lumière sur quoi ? Sur quoi ? Bah pareil, les pays. Mais ouvrez là, sérieux, on va passer 2 heures. Ok, donc un sort de lumière sur les pays. Il va y avoir que de. Je t'ai rien dit. Un sort de lumière sur les pays. Je dors pour l'instant. Moi, je me suis réveillé, je me permets ça. Bien sûr. D'ailleurs, je prends mon truc. Ouais. Mais tu sais, comme ça, je suis à moitié, tu vois. Ok. Et je dessine un petit peu. T'es bon ? Du poker. Ils sont tous morts. À part l'ours. Alors je vais avoir besoin de tout l'espace en fait. Ah ouais, si tu veux. S'il vous plaît. Tu viens, t'as pas acheté le mien comme si c'était du caca aussi. Ah, c'était le tien. Oh. Non, mais il est tout là-bas, puis il a bougé. Mais c'est ce moment qu'il est là, c'est le mien. Non. Le tien tout là-bas, ça c'est le tien. Celui-là. Ah oui, tiens. Le mien il est là. Et le. Voilà. Et voilà. Est-ce que je peux échanger mon ours contre un autre ours plus mignon ? Non. Allez. D'accord. Il faut que je l'aime malgré. Pas de racisme, mais pas faut de racisme. Avec... Ouais, faut faire avec les défauts des autres. Ok. Tu viens de jeter ton ours ? Non, il a fait un petit. Il a volé. Il saute, il est content. C'est un ours qui vole. Le beau. C'est la chouette, elle l'a. C'est quoi c'est des escaliers ? Y a qui genre dans le couloir ? Y a le druide au milieu, le druide en formation, voilà. Après y a l'ours sur sa gauche. Et t'as juste une merde. Voilà. Ça se passe quoi là ? Perception. Ouais, on sort d'un gros tunnel, donc on va. Ah vous jouez de. J'écoute de là. Et j'essaye de voir. Ah mais on a changé d'endroit là. Ah c'était pas la sortie en fait. Mais bon, il y avait rien, il y avait pas de. Tu vois rien ? J'entends rien ? Il y a un peu de bruit, des voix un peu nasillardes et des couinements sur la droite. Des voix un peu nasillardes, c'est pas pour ça. Ouais. Les nasillardes, c'est la Zamora. Tu fais la même voix quand tu ne sais pas attaquer à l'auberge. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, je pense qu'ils arrivent. Ajoie-moi, ajoie-moi, ajoie-moi. C'est ça. Ouais, enfin, le gobelin, il avait cette voix-là aussi. Ah, vas-y, ah. Ouais, enfin, le gobelin, de toute manière, c'est un ennemi, quoi. Oui, voilà. Ouais, de toute façon, avec une voix de c'est toujours de la. Le bruit que j'entends, les voix, ça vient plus tard. Je vais tomber tout à l'heure. À droite. Donc là, là. Alors. Non, là, pardon. Je sais pas, tu passes la tête. Là, du coup, tu vois un bout de la pièce. Bah, d'ailleurs, je vais te la décrire. Oui. Ça, c'est bien, ça. Wow. Bon. Coup d'épaule. Grâce. Et lourdeur. J'ai fait tomber. Lourdeur. Et encore enlevé. Alors, je me casse la gueule. Tu avances un peu. Elle avance d'une case. Avance un petit peu. Cette grande salle semble donner accès à toutes les ailes du niveau. Elle ouvre sur 6 couloirs sombres. Bah, évidemment qu'il y a plusieurs niveaux. 6 ? Où est-ce que t'en vois 6 ? Bah, non. J'attends qu'elle avance plus pour que je les défile. Ah, t'es mort. Putain, que rigolo. Jusqu'au jour où ce sera vrai. Pas bête.